We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou tout le monde, je suis la voix off de Luna et aujourd'hui vous allez passer un petit moment avec moi et Luna dans sa petite routine du soir. Donc dans les commentaires, je veux que vous essayiez de deviner qui je suis. Ouais, je suis la voix mystère, alors devinez qui je suis. Et celui-là qui aura trouvé, aura trouvé. Voilà. Donc Luna, quand elle rentre de l'école, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous accroche le manteau, je crois. Donc elle cherche un cintre et elle a du mal, j'ai l'impression qu'elle a du mal. Mais elle a trouvé le cintre. Donc elle attache son petit manteau. Il me semble qu'on l'a vu dans un de ses hauls. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais maman en dira dans la vidéo, dans le montage, si c'est ça. Ensuite... elle va ranger ses petites chaussures et elle va dire bonjour à ses deux petits frères trop trop choux. Ça c'est trop mignon, c'est trop important de faire un bisou à ses frères et sœurs. Et ça c'est vraiment génial qu'elle prenne le temps de faire un petit bisou, un petit câlin avec ses petits frères. Après où elle va Luna? Dans sa petite cuisine. Oula oula oula. Elle va goûter là, elle va goûter. Ça sent le Nutella, ça sent... ça sent... oui voilà le Nutella, Et vous voyez, je suis devin. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Petite brioche Nutella beurre. Ah non, pas Nutella beurre. Une au beurre et une au Nutella, ça serait parfait. Voilà, qu'est-ce qu'elle va nous faire? D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous prenez au goûter après l'école. Ça serait intéressant de voir ce que chacun mange. Donc, ça me rassure, elle n'a pas mélangé le beurre Nutella. Je ne sais pas si vous, vous aimez, mais moi, j'aime pas du tout. Ensuite, elle prépare son petit lait. Donc, ça, c'est bien. C'est bon pour les os, pour la croissance. Et en fait, non, c'est un chocolat. je n'avais pas vu. Avec un petit carré de sucre. Ouh, ça, c'est bon, ça. Bon petit goûter après l'école. Et ensuite, elle se pose devant sa tablette, il me semble, ou devant la télé. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle regarde. Qu'est-ce qu'elle... je pensais que c'était genre des youtubeuses ou quoi. On dirait... c'est quoi ce truc? C'est un Koh-Lanta version enfant? C'est quoi? Je sais pas du tout, donc je pourrais pas vous dire. Et ensuite, elle fait la vaisselle de son petit goûter. Ça, c'est bien pour aider maman. Donc, si vous ne le faites pas à la maison, faites-le. Ça fera toujours plaisir à votre maman. Ça, c'est génial. Donc, elle lave son petit bol. Ça, c'est bien. Elle est bien autonome, Luna. Ça, c'est génial. Bravo, petite Luna. Et ensuite, ça monte les escaliers pour se diriger vers la chambre, je pense. À mon avis, si on fait un petit pari, ça va être la chambre. Ouais, bingo! Pour faire les devoirs. À mon avis, c'est ça, les devoirs. C'est très important. Elle a un très, très, très joli sac, Luna. Il est vraiment trop mignon. En plus, je me rappelle même plus où elle a commandé sa maman. Il est vraiment trop beau. Dans sa petite chambre, toute mignonne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le groupe tour dans le petit i. Parce que sa chambre, elle est vraiment super jolie. Si vous ne l'avez pas vue, il est vraiment trop, trop beau, son groupe tour. Alors... qu'est-ce qu'elle a comme devoir, petite Luna? Est-ce que vous l'avez vu, l'agenda, l'atelier de Roxane? Trop mignon. Trop, trop chou. Donc ensuite, on lit les devoirs et bien sûr, on fait les devoirs. Très important pour son avenir plus tard. Et qu'est-ce que c'est ça? Des photos? Elle a des photos? Je sais pas du tout. Et donc, à mon avis, elle va faire ses devoirs, un petit plus très important. Oh, trop joli ça, sa petite écriture, trop mignonne, trop chou. Et une fois que les devoirs sont terminés, bien sûr, on range son bureau. Très important et on remet ses affaires dans son petit cartable. Mais je trouve que Luna, pour son début de routine, est plutôt sympathique. Hein. Franchement, elle fait les choses bien, la petite Luna. Même les choses très, très, très bien.
J'adore. Vous avez vu la petite trousse licorne là sur le bureau? Trop trop belle. Et ensuite, je pense qu'elle prépare soit le pyjama ou les affaires pour demain. Non, le pyjama. Oh, vous avez vu le pyjama? Il y a des tsum tsum dessus. Trop chou. Et ça me ferme dans la salle de bain. Et on fait couler le bain, bien sûr. Le petit bain est chaud. Et on passe au repas. J'ai bugué. Au petit repas. Et qu'est-ce que ça mange? Des petites pommes de terre avec des saucisses. Oh là 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 là, les deux petits loulous qui sont mignons. Ils sont trop choux. Les deux petits jumeaux. Trop trop choux. Et oui. Et ça fait le pitre pendant que maman est filme. Oh là là, qui sont trop mignons. Oh, le petit pyjama pas de patrouille. Trop chou. Et bien sûr, ça mange. Et ça joue. Parce qu'avant d'aller au lit, c'est important de jouer avec la petite table d'activité. Là, c'est quoi? C'est un train? Ouais, c'est un train, je crois. Ou un petit circuit. Ah oui, c'est le petit circuit Cars, il me semble, qu'ils avaient trouvé. Je crois que c'est ça. C'est trop, trop mignon, là. Pour leur âge, c'est parfait. Ah, j'avais pas vu le petit pyjama Spider-Man. Trop mignon. Et après, tout le monde au dodo, bien sûr. Hein, parce que c'est l'heure d'aller dormir et reprendre des forces pour demain. Et bien sûr, le brossage des dents. J'allais complètement oublier cette étape. Ça, c'est bien. Bon, les petites quenottes pour qu'elles soient toutes blanches. Qui utilise quenottes encore? Qui dit ça? Trop, trop chou. Et ça lit les petites histoires. C'est une vraie petite maman Luna en fait. Des petites histoires. Et en plus ça c'est une histoire personnalisée. Donc ça c'est bien, il me semble que c'est ça. Donc c'est une histoire personnalisée au nom de Luna. Vu que je vois que c'est une petite fille. Donc à mon avis c'est une histoire personnalisée sur Luna. Et il me semble, si je ne me trompe pas, Amy vous mettra le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour les mamans d'avoir une histoire personnalisée au nom de votre enfant. Oh, ça fait... ça joue à cache-cache sous le lit. Il est trop mignon, il fait petit pouce. Ça, c'est bien. S'occuper de ses petits frères, ça, c'est génial. Et une fois qu'on a fini de jouer avec les petits frères, on va se plonger dans une petite BD très très sympathique. Et je dis très sympathique, mais je ne sais pas du tout de quoi parle la BD. Mais je sais que quand j'étais jeune, j'adorais les BD. Il me semble que c'est peut-être la BD qu'elle a achetée dans le... j'achète tout ce que je touche. Voilà, ça sera dans le petit i si jamais c'est ça. Si c'est pas ça, désolée, je me suis trompée. Mais c'est peut-être loup. Peut-être, je sais pas. En tout cas, maintenant, ça fait dodo. Et voilà la petite routine de Luna. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits likes et des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, Luna vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish
listen to heaven.